La France a décidé de faire du développement de la chaleur renouvelable une priorité de la politique énergétique française, avec un objectif de 38% de chaleur renouvelable d'ici 2030. On est aujourd'hui à peine à 17-18%. Ça veut dire qu'il va falloir au moins doubler, voire tripler le rythme de développement de la chaleur renouvelable. Pourquoi ? Parce que cette chaleur renouvelable, elle se substitue à des énergies carbonées, le gaz, le fioul, le charbon. Ce sont des énergies locales qui créatrices d'emplois et ça permet de maîtriser sa facture d'énergie. Donc aujourd'hui, les acteurs de la chaleur renouvelable qui sont réunis aujourd'hui pour le lancement de la Semaine nationale de la chaleur renouvelable demandent effectivement que le gouvernement se donne les moyens de développer cette chaleur renouvelable à grande échelle, comme elle s'est donné les moyens dans le passé de développer l'électricité renouvelable, alors que les efforts en jeu sont à peu près similaires entre électricité et chaleur renouvelable. Donc nous appelons le gouvernement à doubler, voire tripler le rythme de développement de la chaleur renouvelable, donc doubler, voire tripler le fonds chaleur qui permet de financer en particulier des réseaux de chaleur dans les collectivités françaises.